Chapter 23, verse 1. And Sarah was 127 years old. These were the years of the life of Sarah. Chapitre 23. Or, Sarah a vécu 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. And Sarah died in Kirjath Arba, the same is Hebron in the land of Canaan. And Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her. Et Sarah mourut à Kirjath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah, et pour la pleurer. And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying, Puis Abraham se leva de devant son mort et parla aux enfants de Heth, en disant, I am a stranger and a sojourner with you, give me a possession of a burying place with you, that I may bury my dead out of my sight. Je suis un étranger et un hôte chez vous, donnez-moi la propriété d'une sépulture chez vous, afin que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. And the children of Heth answered Abraham, saying unto him, Et les enfants de Heth répondirent à Abraham, en lui disant, Hear us, my lord, thou art a mighty prince among us, in the choice of our sepulchres bury thy dead, none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead. Écoute-nous, mon seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans le meilleur de nos tombeaux. Nul de nous ne te refusera son tombeau pour enterrer ton mort. And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth. Alors Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de Heth. And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the son of Zohar. Et il leur dit, S'il vous plaît que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi, écoutez-moi, et intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tsoar. That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field, for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a burying place amongst you. Afin qu'il me donne sa caverne de Machpelah, qui est à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède pour sa pleine valeur, en propriété sépulcrale au milieu de vous. And Ephron dwelt among the children of Heth, and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying, Or Ephron était assis parmi les enfants de Heth. Et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham devant les enfants de Heth qui écoutaient, devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, et dit, Nay, my lord, hear me, the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee, in the presence of the sons of my people give I it thee, bury thy dead. Non, mon seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne aussi la caverne qui est, je te la donne en présence des enfants de mon peuple, enterre ton mort. And Abraham bowed down himself before the people of the land. Et Abraham se prosterna devant le peuple du pays. And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me, I will give thee money for the field, take it of me, and I will bury my dead there. Et il parla à Ephron, devant le peuple du pays qui écoutait, et dit, Cependant, écoute-moi, je te prie, je donne l'argent du champ. Reçois-le de moi et j'y enterrerai mon mort. And Ephron answered Abraham, saying unto him, Et Ephron répondit à Abraham, en lui disant, My lord, hearken unto me, the land is worth 400 shekels of silver, what is that betwixt me and thee? Bury therefore thy dead. Mon seigneur, écoute-moi, une terre de 400 sicles d'argent, entre moi et toi, qu'est-ce que cela? Enterre donc ton mort. And Abraham hearkened unto Ephron, and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, 400 shekels of silver, current money with the merchant. Et Abraham entendit Ephron, et Abraham pesa Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des enfants de Heth,
400 sicles d'argent ayant cours chez le marchand. And the field of Ephron, which was in Michpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure. Et le champ d'Ephron, qui était à Machpelah, devant Mamré, le champ, la caverne qui y était, et tous les arbres qui étaient dans le champ et dans tous ses confins tout autour. Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city. Furent assurés en propriété à Abraham, en présence des enfants de Heth, devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre, the same is Hebron in the land of Canaan. Et, après cela, Abraham enterra Sarah sa femme dans la caverne du champ de Machpelah, en face de Mamré, qui est Hébron, au pays de Canaan. And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a burying place by the sons of Heth. Et le champ, et la caverne qui est, furent assurés par les Éthiens à Abraham en propriété sépulcrale.